Si est-il la troisième fois qu'Isabelle Balkany tente de mettre fin à ses jours. Jeudi 3 février 2022, la cour d'appel de Rouen a révoqué son assignation à résidence ainsi que celle de son mari, Patrick Balkany. Ils devront tous les deux purger leur peine pour fraude fiscale en prison. À cause de problèmes de santé, ils étaient placés sous contrôle judiciaire assorti de bracelets électroniques, depuis plusieurs mois. Si la cour d'appel a pris cette décision CIESTI parce qu'elle a révélé que le couple avait manqué une centaine de fois aux règles qui leur étaient imposées. Quelques minutes après cette annonce, Isabelle Balkany a publié un message inquiétant sur son compte Twitter. Je veux juste dormir. Épuisé par l'âge, le mien, la haine, des autres, l'angoisse pour l'homme de ma vie, la blessure, inguérissable, du gommage de ce que j'ai pu faire de positif. Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer. Et à mes amours à quatre pattes, a-t-elle écrit avant de commenter, il est temps que ça s'arrête. L'épouse de l'ancien homme politique a rapidement été prise en charge par le SAMU alors qu'elle a une nouvelle fois tenté de se suicider. Pour Patrick Balkany, son épouse n'est pas en bonne santé pour aller en prison. Si est Patrick Balkany, sur le plateau de BFM TV, dans la soirée, qui a fait cette révélation. Le résultat de tout ça si est que le SAMU est là parce que ma femme avait prévenu. Là, elle repart avec le SAMU parce qu'elle avait dit qu'elle n'irait pas en prison. J'étais en bas en train de parler avec mon avocat, elle a avalé une boîte de je ne sais quoi, le SAMU est là et il l'emmène à l'hôpital, a-t-il déclaré. Si est-il la belle-fille du couple qui a retrouvé Isabelle Balkany dans les vapes. Elle est malade, elle est fragile, je ne pense pas que ça soit un danger pour qui que ce soit. Point, je ne connais pas l'état de santé de mon épouse, le SAMU m'a dit qu'il m'appellerait, mais pas avant quelques heures, a encore expliqué Patrick Balkany. Loading widget. We'll be right back.